Salut les Globetrotters et bienvenue à Milos, l'île qui se découvre par la mer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu t'en aperçois pas au premier abord. Parce qu'il y a beaucoup d'îles, dès que tu arrives, tu les découvres par leur port, leur chora, leur village, l'intérieur des terres. Milos, c'est tout l'inverse. Milos, c'est par la mer que tu vas l'appréhender. Bon ben voilà les amis, à bord du Thalassitra. Χόρεψα και σιρτάκι και μου ρίχνε γλυκές ματιές ένα γιαπωνεσάκι. Μα σούρωσε και έκλεισε το σχιστοματάκι. Αξίρωσε και έκλεισε το σχιστοματάκι. Και μου ρίχνε γλυκές ματιές ένα γιαπωνεσάκι. Translucide, c'est-à-dire qu'en Grèce, dans les Cyclades, tu découvres vraiment ce que ça veut dire. Translucide, limpide, clarté. C'est-à-dire que je pourrais sauter dedans, c'est un truc de dingue. Mais il me laissera pas malheureusement. On dirait que c'est du Photoshop, on dirait Photoshop autour, tu sais. On dirait que tout l'océan, toute la mer Égée a été retouchée par Photoshop, tellement c'est beau quoi. C'est énorme, c'est magnifique. Et là, non, mais c'est super. Regarde, voilà, pile poil, voilà, on s'enfonce hein. Comme les pirates à l'époque, t'as l'impression d'être un peu dans les pirates des Caraïbes, les pirates des Cyclades. Non, mais c'est fabuleux quoi. C'est. Puis la roche en fait, il fait humide tout d'un coup. Et en fait, voilà, les pirates, vraiment, ils empruntaient tout le temps ces chemins à l'époque. Oui, il faut que je fasse gaffe en vloguant de ne pas me bouffer la paroi. J'en serais tout à fait capable hein, pour ceux qui ont commencé à suivre mes aventures. Hein. C'est exceptionnel. Et je commence à en avoir fait un paquet des pays. Mais c'est vrai qu'un truc pareil, je l'ai pas vu autre part encore. Tu vois vraiment cette une couleur pareille. Je te dis une mer Égée, mais photoshopée à toutes les nuances de bleu que tu peux imaginer. Les crottes de pirates là qui s'avancent, mais carrément ça traverse toute la falaise quoi. C'est complètement improbable. Moi j'ai jamais vu ça ailleurs encore. Putain mais la Grèce, Donc il n'y a pas photo, Milos c'est une île qui se découvre par la mer et le tour hein, c'est fabuleux, tu peux pas venir ici et pas voir Kleftiko, voilà c'est simple, Kleftiko c'est
c'est l'emblème de Milos, c'est unique. Et justement, c'est pour ça que c'est super d'y aller avec un bateau comme le Talasitra, parce qu'il est majestueux, certes, mais surtout il peut aller partout, il est immense. Et en plus, le nom est trop beau, parce que Talasitra, ça veut dire en grec, c'est le bruit de l'écume des vagues qui s'échouent sur la plage. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, ça c'est moins beau. Ça c'est Promène Couillon, c'est moins beau tout de suite. Hein. Alors que Talasitra, c'est beau, c'est majestueux, c'est un voilier en bois, c'est la classe. Ben voilà, franchement, on peut dire qu'une chose, le paradis existe.